Hello. Salut, salut Nocif, comment ça va? J'ai baissé la musique dans mon casque, c'est infernal. Voilà. J'ai pas parlé trop fort, les enfants sont partis se coucher, donc excusez-moi si je suis un peu au ralenti, j'ai juste pas envie de, de les réveiller en fait, tout simplement. Ça va et toi? Oula. J'ai pas envie de les réveiller, j'ai envie qu'ils s'endorment tranquillement, sinon ça va poser des problèmes, je vais devoir vous quitter. Je n'ai point envie de vous quitter. Sinon, ça va bien. Ça va bien. Et toi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Un des derniers streams de l'année. Peut-être demain, on verra bien, même heure. Mais en attendant, un des derniers streams de l'année. Hop, je vais pas faire ça tout de suite. Attendez. J'ai changé de musique. YouTube, on va se mettre une petite playlist que j'aime bien. Comment se sont passées vos fêtes? Je coupe la musique. Je vais juste changer de playlist. J'espère que ce sera pas trop fort. Voilà. Peut-être monter un petit peu. J'aurais pu le faire avant, comme d'habitude. Comment se sont passées tes fêtes? Si la musique est trop forte, faudra pas hésiter à me le dire. Hop, c'est parti. Tranquille, tranquille, Etienne Bossovo, ça va. La vie de famille. Alors, est-ce que le jeu se lance? Oui, nickel. La vie de famille, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ta famille. Tu picoles un peu trop. Toujours très long les repas de famille. En vrai ça va, puisque j'ai pas Ouais, j'ai été surpris par le bruit des boutons, excusez-moi. Nous en fait ça va. Y'a qui là? Y'a Tamir, ok. Attendez, juste m'occuper de ça. En gros on fait juste un truc entre mes frères et sœurs. Et les belles filles, les beaux frères. Enfin y'a pas de beaux frères mais sur le principe c'est ça. Et ma mère. En fait, c'est tout. Le soir de Noël, il n'y a rien d'autre. Si, il y a ma belle famille le dimanche après-midi, mais ça va. C'est pas des longues, c'est pas des grandes familles, c'est pas des familles chiantes. Coucou, j'ai pas dit bonjour à Tamir. Excuse-moi, Tamir. Donc, en vrai, ça va très bien. Je regarde un petit peu ce que j'avais fait. Donc là, j'ai encore quelques moutons. Je sais pas si j'avais toutes les couleurs. Il m'en fallait 16, si je ne dis point de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, j'en ai largement assez. Oui, et toi? Nouvelle version, il y a des mises à jour à faire. Mises à jour à faire, rien d'important, donc ça va. Mais sinon, non, ça va. Est-ce que le Papa Noël t'a gâté? 19, 19, 19, 14, 21, 31. Hello Kevor, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir ici, ça fait longtemps. Ah, ça se passe bien, hein. Il y a juste le blanc. Il est là depuis beaucoup plus longtemps que les autres, mais le blanc, 61. Alors que là, j'ai déjà plus d'un stack. Bon. C'est random, je suppose, donc... on va dire qu'on s'en fout. J'ai plus besoin de nourrir les moutons. J'en ai assez. Donc on va nourrir mon manger. On va nourrir ma nourriture. On nourrit la nourriture. Attendez l'XP. Ça va bien. Ça va bien, petit stream, je parle pas trop fort, hein. Désolé, je suis un peu en mode limite ASMR, mais les enfants essaient de s'endormir. J'ai pas eu grand chose, mais c'est normal vu que je voulais de l'argent pour m'acheter un nouvel ordi. C'est déjà pas mal, Et t'as été gâté? Là ça coupe, là, on a entendu. Donc aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui, ça va être de terminer la mise en bière des moutons, on va appeler ça comme ça, et ensuite de commencer la décoration du truc. En vrai, j'aime bien ce mur de Hopper. Il me semble que j'ai plus beaucoup d'outils. Je fais gaffe, j'entends des bruits mais je crois que c'est la tonte. J'ai avoir besoin de quoi? J'ai 6 Hopper. J'ai des observeurs, je vais refaire le tour de ce que j'aime. Vous voyez pas mais regardez là. Elle a passé 2 mois dehors quasiment là. Et là elle est rentrée, il pleuvait trop. Salut Tamir. Hello Manayel, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comme je disais, je parle pas trop fort, les enfants essayent de dormir. Voilà. Donc je vais récupérer ça. Ça c'est ok. Je regarde ce qui me manque, ce qu'il va me falloir. Du verre. Je vais ouvrir la fenêtre qui est là et la rejeter dehors, je crois. Tu veux faire un vol plané dehors, Féline? Est-ce que tu veux faire un vol plané dehors?
Ça va. Pauvre bête. J'ai rien dit. Donc. Attendez, je vais monter là. Je vais aller voir un petit peu ce que j'ai en haut. Les chats, toujours un bonheur. Alors, comment se sont passées vos fêtes? J'ai posé la question tout à l'heure, mais vous n'étiez pas tous là. Comment ça s'est passé pour vous? Non, mais elle aime bien frotter sa queue contre ma joue. Je vais faire de la place. Hop, hop, voilà. Faire attention. Non, c'est bon. J'ai enlevé deux sources de lumière, on va les remettre tout de suite. Et les miennes? Nickel, tranquille. En fait, c'est toujours très chill chez moi. Petit repas chez ma mère, avec tous mes frères et sœurs. On est cinq. Donc évidemment avec les belles filles. Et puis maintenant les enfants. Donc non, vraiment cool. Ah bah j'avais pas besoin de descendre, ok. Vraiment cool, vraiment chill. Tu as fini ta salle des coffres auto? Tu as vraiment mis tous les blocs? Non, j'ai pas encore fini. J'ai pas fini, j'entame ça, comme ça j'aurai plus de blocs, plus de trucs à proposer dedans. Bon là tout se passe bien là. Je sais plus quelle couleur j'avais en dernier. Il faudrait que je reprenne la liste des couleurs. C'était quelle couleur ici? Il va falloir que j'installe un mouton, mais... Non. Mais lequel? Donc ici, on a le green wool. Comme j'ai pas allumé mon PC depuis la dernière fois, historique, teinture Minecraft, mouton Minecraft. Ok, c'est mes dernières recherches. On fait une... Attendez, je vais lui installer un petit... Tiens, il y a un bonnet de Noël ici. Elle aime bien dormir sur les trucs, sur mon bureau. Il y a un bonnet de Noël ici. Tiens. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, mouton. On devait faire un mouton bleu clair. Pour faire de la teinture bleu clair, il nous faut une orchidée bleue. Allez, c'est parti. On va faire ça. Une orchidée bleue, est-ce que j'en ai ici? J'ai ramené pas mal de fleurs. Ça, c'est bleu foncé, je suppose. J'ai pas l'impression d'en avoir ici. Je vais aller voir dans mes coffres là-bas, mais ça m'étonnerait. Ton chat, on dirait la mienne. Hello, Ambro, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Comment vas-tu? Les chats, toujours un bonheur. En vrai, ouais. Mais... Faudrait qu'ils comprennent un peu plus les humains, quoi. Elle est où? Sur ma housse de guitare. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a faim. Liberté à nos futurs pareils. Liberté pour le peuple. On en a gros. Je suis Charlie Manif pour des réponses plus vite. Du pain. Revendication. J'espère que vous avez mis des trucs dans les coffres pour pas nous prendre pour des ouins. Attends. Ça c'est métallomane ça. C'est métallomane. 100%. Barricade. Pas content. Ok, bon, je peux plus passer? Ah, vous avez vraiment tout fermé. Très bien. Ok. Il s'est passé un truc, j'ai pas bien compris. Le salaire. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que je voulais faire et que j'ai pas eu le temps de faire. Il faudrait que je passe un peu plus de temps. Il y a les salaires, il y a la banque qui doit arriver. Bon, désolé, je vais vous casser la gueule. Voilà. Non, je vais vous laisser là en attendant. Allez. C'est pas moi qui ai bougé les trucs comme ça. C'est pas moi qui ai mis les shulkers ici. Ils étaient là. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Par contre j'ai pas d'orchidée bleue. J'ai pas la teinture bleu clair. Vraiment des les révolutionnaires à l'enfer. Ouais non mais ils ont raison. Ils ont raison, je peux pas leur retirer ça, ils ont raison. Mais peut-être que je devrais arrêter de payer le serveur et effectivement, leur donner le salaire in-game. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en vrai, en plus, ils se sont touchés. Ils ont même mis un panneau. Ils se sont touchés pour faire ça. C'est les gilets jaunes. Ah, j'avais pas capté qu'ils avaient des gilets jaunes. Donc, il y a Metaloman. Ça doit être Arthas. Bon, ça, c'est Tamir. Ou Arthas, c'est lui, je sais plus. Vraiment. Vraiment des enfants. Bon, il va me falloir des fleurs bleues maintenant.
C'était rigolo. C'est mieux que de cramer mon estrade comme en début de saison. Alors qu'il se passait rien du tout. Quelqu'un s'est dit que ce serait trop drôle MDR si on brûle l'estrade du roi. Les noms sont sur les gilets. Ah ouais? J'ai même pas fait gaffe. Attendez, bah j'y retourne après. Bleu foncé ou blanc pour faire du bleu clair aussi. Attendez, teinture. Bleu. Attendez, je vais faire du bleu clair, là je suis en train de regarder n'importe quoi en fait. Il me faut une orchidée bleue. Teinture bleu clair, tu m'as dit, Manayel. Teinture blanche et teinture bleue. Ouais, effectivement. Effectivement, je peux faire un truc comme ça. Je vais pas me prendre la tête en fait. Ouais, le problème c'est que j'ai qu'une teinture bleue. Et que j'ai pas d'autres fleurs bleues. Ah non, du lapis, ça fait de la teinture. Dis-je des bêtises? Aïe. Salut Tony! Les noms sont sur les gilets. Alors qui est-ce qui se plaint? Attendez, comment on fait pour voir ce qui est marqué sur le gilet? Non, y'a rien. Faut que je les casse. Bah non. Bon bah il y en a un qui a perdu son... attendez, je vais le remettre. Arthas Rivet, ok. Ok. En vrai c'est drôle. Prends-les en main, titre. Là il y a rien. Donc on peut l'utiliser pour faire de la teinture, hein. J'ai pas dit de bêtises. Voilà. Donc là j'ai de la teinture mais j'ai plus de teinture blanche. Pour faire de la teinture blanche, j'ai peut-être les fleurs blanches. Pré-clic de... Oh, non, mais c'est bon là, j'ai trouvé. j'ai compris. En vrai, c'est drôle. J'espère que vous êtes bien amusés à faire ça. En tout cas, en venant, vous avez chargé mon truc là, donc c'est cool. En étant là. C'est vrai que d'habitude je vérifie ce qui se passe sur le serveur assez régulièrement sur la dite map. Mais là je l'ai pas fait. Light gray, donc c'est pas ça. Donc on avait dit que c'était ça et ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais reprendre un dispenser, un observer, des hoppers, je pense que j'en aurai pas assez. Ça, on va dégager un petit peu de trucs. Là, il faut pas m'en vouloir si je réponds pas aux messages, hein. On est en vacances, je suis pas toujours concentré sur mon PC, sur mon téléphone. À partir de la semaine prochaine, ça ira un peu mieux, je serai un peu plus sur mon téléphone et mon PC. Hop. J'en aurai pas assez de hoppers, il va falloir que j'aille en faire. Des hoppers, est-ce que j'ai de quoi faire ici? C'est quoi, il faut du fer et des coffres? Des coffres, j'en ai, je peux en faire, y a pas de problème. Du fer. Bloc de fer. Ok. On s'est bien éclaté en le fort de... Vous m'étonnez. En vrai, c'est hyper drôle. En vrai, c'est drôle. En plus, c'est bien fait. Faut pas nous prendre pour des ouin. Il y a oublié un W à la fin. Vous pouvez pas comprendre. Je vais vous laisser enfermer dehors. Hein. Écoutez, moi... moi, je m'en fous. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui. Faire des hoppers. Donc j'ai... Ah non, en fait, j'avais peut-être pas besoin de venir ici. Il faut que je casse ça. Voilà, 20 hoppers. Ce sera bien pour commencer. Entre ça et le dé à coudre, il y a de l'ambiance sur le serveur. Mais c'est bien, c'est trop cool. J'ai pas été mis au courant donc j'ai pas pu venir. Mais est-ce qu'il y a un stream? Ça a été streamé? De toute façon, il va y avoir un monde parc d'attractions. Donc, dans tous les cas, un dé à coudre avec plein de trucs. Faut que je m'en occupe. Tellement de choses à faire. Donc, on blaque ici. Voilà. On va faire le trou ici. Je vais faire comme ça, tant pis. Bam. Voilà, très bien.
C'était la méthode la plus rapide. Les rails. On va mettre des rails ici. On va mettre le minecart with hopper dessus. Le bloc, on casse ça. Que je réfléchisse. Donc là, il faut mettre le... l'observeur. Mais il me semble que c'est par là. C'est pas ça du tout. C'est pas l'observeur, c'est le dispenser. Non, c'est l'observeur qu'il faut mettre. Je me suis trompé. Je sais plus dans quel sens il faut le mettre. Faut qu'il observe ici. Non, c'est... je l'ai mis à l'envers. Ok. Voilà, je l'ai mis à l'envers, je sais. Ça a été complètement improvisé. Non, ça a été fait à l'arrache. Ok, non mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Voilà. Donc, l'observeur, forcément il doit observer le changement d'état de ce bloc là. Ensuite, on met ça ici. Donc c'est celui-là qui doit être dans ce sens-là. Le bouton, on le récupère pour commencer la tonte. Voilà. Donc là, tout est ok. Tout est ok, on n'a plus qu'à ramener un mouton. J'ai plus de blé. Ouais, j'aimerais bien voir un clip ou ce que vous avez fait. Mais rassurez-vous, il va y avoir une grosse mise à jour sur le serveur... J'en parle souvent, mais c'est beaucoup de boulot. Et puis je travaille avec des plugins déjà existants, et comme ils sont pas forcément mis à jour rapidement, et ben c'est toujours très long de trouver les bons plugins, les bons trucs à améliorer. Vous voyez ce que je veux dire. Attendez, j'ai oublié d'allumer un truc pour les alertes. S'il vous prend l'envie de follow ou de sub, ce serait pas noté. J'ai oublié de l'allumer. Voilà, c'est bon. Alors, le mouton. On va en chercher un. Non. J'arrive pas à fermer la porte. Cassez-vous. Voilà. On va tous les faire monter. Tant pis s'il y en a trop. Et vous faites quoi pour le nouvel an? Dites-moi tout. Famille, le soir moi je fais rien. Par contre le premier je vais chez ma famille. Allez, ici. Rien, je suis malade. Ah merde. T'as quoi? Soit chez un pote. Ouais, le nouvel an c'est chez les potes, on est d'accord. Allez, je vais laisser se séparer. Toi par contre je vais te choper. Un seul mouton. Ok, c'est bon. Allez. Oups. Ah, mais il est tombé tout seul. Idiot. Et ben voilà. J'ai juste refermé à partir de là. Ah, donc là, ils sont bien enfermés, il n'y a pas de problème. Je casse ça parce que c'est pas beau. Donc lui, là, il est pas tondu. Tant mieux, parce que je l'ai pas encore peint. Voilà. Grippe. Ça, en ce moment, ça pardonne pas. J'ai pas de cisaille sur moi. J'ai pas l'impression. Ils sont là. J'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'en refasse un bon stock. Ouais, effectivement, là j'ai fait un peu de la merde. Ça, ça dégage. Ah, j'ai pas mis la redstone non plus. Faut que je fasse un gros tri dans mon inventaire là. Il faut combien? Deux. Voilà, ça. J'en faire pas mal comme ça. Voilà. Ah non mais ça se stack pas. Mais quel idiot. Quel idiot. Je vais les mettre dans les dispensers. Tu peux refaire avec des potes. Ouais, vous faites ça tous entre potes. N'empêche, quelle vie tu donnes à ces moutons condamnés à vie dans un mètre carré? Il y a même pas un mètre carré, qu'est-ce que tu racontes? Moins d'un mètre carré.
Je les respecte pas à ce point-là, faut pas abuser. De la stone. Il y a même pas un mètre carré. De la stone. Ça, je peux dégager ça. Et non, la dirt, je vais la garder. Évidemment. La police a vérifié. Bon, ça va. Ils ont à manger à profusion, là. Ils ont à manger. D'ailleurs, j'ai bien avancé la muraille. J'irai faire un tour. J'irai faire un tour. Ok. La durabilité, d'ailleurs, ça donnait quoi? Oh, ça va, je suis large. Je suis large. J'irai faire un tour de temps en temps, mais je suis assez large. Ici. Je vais changer le bloc pour mettre un bloc de stone. Tout est ok ici. J'ai pas mis de cisaille, je vais les faire tout de suite. Non, je vais pas faire la même erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je vais mettre tout de suite plein. Et enfin, la redstone, on engage. Ah, il a bougé. Il a bougé, non. Il faut que je le remette en place. On peut le mettre en place comme ça? Il a qu'à pousser? Faut peut-être que je le coince. Attendez, là, il va me saouler, lui. J'ai pas eu le moindre problème jusque maintenant. Aïe. J'ai pas eu le moindre problème et lui, il va me saouler. Ok. Je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Normalement... Voilà, j'ai déjà du bleu. Très bien. Donc c'était ce qui était dans le minecart mais qui était pas tombé. Ok, un mouton supplémentaire. J'ai rajouté de la luminosité. On va rajouter aussi... De quoi monter. Donc on va monter, voilà, ce sera très bien. Et après on fait du bleu foncé. On avance, on n'arrête plus. Donc ici. Il doit plus me manquer beaucoup de... De couleurs. Je dirais 4-5 maximum. Qu'est-ce que vous en pensez? Il manque du bleu cyan. Ah, attendez, mais c'est le cyan. Attends, oh là là, attendez, j'ai fait un alt-tab. Et j'entends un bruit inquiétant. Il y a un slime quelque part derrière. Ça, il est pas à côté. On va mettre une source de lumière. J'ai plus de source de lumière. Je suis pauvre en torches. Je suis très pauvre en torches. On va prendre des bâtons. Et je vais chercher du charbon. Attendez, du coup. Je sais pas si j'ai pris la bonne couleur. Light blue. Light blue. Donc il y a bleu clair, bleu cyan et bleu. Oh là là, vous avec votre manif là. Je crois qu'il y a un Enderman. Il y a un Enderman quelque part, il doit être en haut, peu importe. Ça, à vivre dans les grottes. Qu'est-ce que j'ai dit que je devais chercher? Du charbon. T'en veux? Oh bah je vais en faire, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Normalement. Voilà, t'inquiète. Donc je mets ça ici. Donc, teinture bleu clair. Donc là, le bleu clair, c'est fait. Je vais me renseigner pour la teinture bleue. Bleu. Il y a trois types de bleus différents. Bleu, bleu clair, cyan. Pour du bleu, pour du cyan, il faut une algue. Enfin, je crois que c'est une algue. Et du bleu. Je vais aller jeter un coup d'œil. C'est où? J'en ai ici. Eh ben, j'ai pas l'impression d'en avoir. Où est-ce que je pourrais l'avoir rangé?
C'est des algues qu'il faut? Ouais, je suis pas sûr de ce que je... de ce que j'avance. Bleu clair, teinture bleue plus teinture blanche, gris clair... teinture verte. Ah non, c'est la teinture verte plus la teinture bleue. Bon, c'est plus facile que ce que je pensais. Normalement... Attendez, pour la teinture verte... que je vérifie... je préfère tout vérifier parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. La teinture verte... fabrication, cuisson... il faut cuire un cactus. Y'a que ça pour faire de la teinture verte? On va cuire un cactus? Donc, nouvelle question, est-ce que j'ai des cactus? Pas ici. Comment j'avais fait ma teinture verte? Si tu en avais. Non. 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 Cactus, j'ai cru en voir cactus. Attendez, vous répétez cactus. Si c'est ça, là, c'est pas du cactus, hein. J'ai pas de cactus. Il me semble pas en avoir, en tout cas. J'en ai peut-être dans des coffres quelque part à l'arrache. Mais ça me dit rien. Ah non, c'était le blabla. Ouais, c'est de la mousse. Tout ça, c'est de la mousse. Ouais, si quelqu'un a du cactus à vendre, je suis preneur du coup. Oh, vous, votre bordel là. Je regarde ça si j'en ai. Ok, merci Kevar. Elle en tourne là-bas. Il t'en faut beaucoup? Un. J'en ai peut-être dans ces coffres en haut par contre. Un seul. Non, 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 non. Non, j'en ai pas. Pas du tout. Alors, MP listings. Oh, ça vend de la Blaze Rod, Metaloman. J'ai rien à récupérer. J'ai mis. Ok. MP listings. 4 items. Bah merci. Merci Tamia. Je prends les 4. Hop, très bien. Là-bas, j'ai pas de four. J'ai pas de four ici. On va retourner là-bas. On va retourner à la manif. Ouais, j'en avais pas. Heureusement que Tamir est là. Hein. Heureusement que je sais que je peux pas compter sur Kevor. Allez. Putain, mes coffres, quoi, là. Ils ont condamné mes coffres. Allez, ça dégage. J'en ai trop. Dans la restole, j'en ai besoin. Allez. Très bien. Donc, si je fais ça... Hello, Hugo Bossroro. Comment vas-tu? Seul bienvenu parmi nous. Non, c'est pas ça. C'est lui. Comment vas-tu, Hugo? Cyan. Très bien. J'ai pu avoir mon cyan. J'ai aussi commencé la muraille du prêtre. Attends, Viking, comment... Ça, tu peux pas compter sur... Je rigole, Kevin, je rigole. Bonjour, Hugo. Bonjour, bonjour. Sois le bienvenu parmi nous. Ah, il est là-bas, le slime. Toi, là, tu vas être scient dans pas longtemps. Tiens. C'est-à-dire maintenant. J'aurais peut-être dû attendre de construire le... sa prison. Ah, ils sont descendus. Tiens. 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 Très bien. Il va récupérer le slime. Très bien. Hello, Lara. Comment ça va? Sois la bienvenue. C'est parti. On va... Non, j'ai plus de dispenser par contre. Non, si, j'ai des dispensers. J'ai plus d'observeur. Grosse question. Observeur. Comme vous le savez sûrement, je suis pas un grand joueur. Je ne sais pas tout. Il me faut de la cobble, de la redstone et du quartz.
J'ai plus de quartz. Par contre, j'ai de la redstone. Et j'ai très peu de cobble. On retourne là-bas. Il m'a fait peur le mouton, là. Allez, on retourne dans la salle des coffres. Hop. Ça lag ici à cause des coffres. Tout est parti ? Tout est parti. Ok, tout est parti, étranger. Comment ça va, Hugo ? Qu'est-ce que je vous ai dit que je devais chercher, donc de la cobble. Est-ce que j'en ai encore ? Oui, ça va. Je vais en prendre deux stacks. Il me fallait du quartz qui doit être ici. Ça va, j'en ai. Observer. Voilà, 10 observeurs. Là, logiquement, j'ai tout ce qu'il faut. Il me faut des observeurs. Il me faut des dispensers. On va faire des dispensers. Il doit m'en manquer 3-4. Donc il faut une cobble, un arc et de la redstone. Donc la cobble, je l'ai. Des arcs, je dois en avoir dans des coffres ici. Cet arc-là, je sais pas si on peut utiliser un arc enchanté. Parce que j'en ai rien à foutre. Il me sert à rien. Ici, là. Hello, XLR. Comment vas-tu? Soyez tous les bienvenus. Ça va bien, je farme sur Pokémon. Bah, je vois tes tweets. Je vois que tu ne lâches pas Pokémon. Dispenser. Je peux pas le faire. Pourquoi? J'ai de la redstone. J'ai de la cobble. Et j'ai des arcs. Est-ce qu'il faut une durabilité à fond? C'est peut-être une question de durabilité. Je peux pas utiliser des arcs en mode poubelle, je pense. Ça s'égage, ça s'égage, ça s'égage. Pour l'instant. Waouh, c'est toi qui es waouh. Waouh toi-même. Merci pour cette alerte. Du fil. Du fil, du fil, du fil. Ici? Je n'en ai plus. Ça va être chiant. Bon bah si un joueur a du fil à vendre... Je suis très très largement preneur. Ou des arcs. Attendez, mais Tony vend peut-être des arcs. C'est son métier. Ah bah c'est bon. C'est bon. Notre armurier vend des armures et des armes. Donc c'est bon. Si je fais dispenser, bah voilà. Je peux pas faire des stacks entiers. 3, 4. Allez, c'est bon. Demande à Tamir du fil et là on a. Bah c'est bon. Bim. Alors, on va continuer. On va se refaire un nouveau coffre. On va remonter avec des hoppers. Très bien. Des arcs de qualité, bien évidemment, Tony. Bien évidemment. Qui veut du fil? Moi, j'en voulais, mais il est trop tard. Trop longue. Hop, on va faire ça d'en bas. Donc là, on va enfermer le mouton scient. Je suis obligé de passer par là en fait. Je vais faire comme tout à l'heure. Tant pis. Heureusement que j'ai de la vie. Désolé, j'écoutais pas. J'ai baissé le son. Ça va trop fort ce truc. Insupportable. Merci Tamir pour cette ambiance. Minecart with hopper. Donc il faut un minecart. Pour faire un minecart. Allez, j'en fais 5. Merci pour la petite danse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me flingue les oreilles. Hein. Hello Maisy, je suis en attaque zombie et j'entends ça. Moi j'essaie de pas faire de bruit, les enfants dorment, je peux plus parler là parce que sinon je vais parler trop fort. Ok, comment ça Maisy? Déjà je dois aller mes grands-parents, mais y a pas de soucis. Nocif.
C'est pas toi. C'est marqué Sound d'alerte, Tamir, Sound d'alerte, Tony, Sound d'alerte, Nocif. Et la première, c'était Hugo. Tamir, c'est marqué. C'est marqué dessus. C'est marqué sur mon PC, sur mon écran de retour. Qu'est-ce que tu me chantes? C'est pas moi. Ok. Donc ici, il manque la redstone. En bro. Ça va tellement fort. Là, c'est marqué Ambro. Vous pouvez pas m'avoir comme ça. Je sais qui le fait. Et je peux pas parler trop fort. Je suis désolé là. Je vous ai dit, les enfants dorment. Je vais faire attention. Allez, viens ici. Tombe dans le trou. Comme un idiot. Un mouton. Petit mouton idiot. Dégage. Bam. Donc lui, de la bonne couleur. Allez, mais-y, ouais. Merci, Maisie. C'est parti. Allez, ça fonctionne. Sois, t'inquiète pas. Donc, Cyan. Light. Et donc là, logiquement, le mouton qu'on doit ramener, c'est le bleu que j'ai... Bon, il est où? Vous avez entendu comme moi? J'espère qu'il n'y a pas une grotte en dessous et que je vais pas entendre tout le temps comme ça. Il doit pas être loin. Peut-être caché au-dessus? Non. Ici? Je sais pas où il est. Monnaie là. Allez, demain j'enlève mon sapin de Noël. Si vous voulez participer et avoir votre nom écrit sur mes boules, c'est le dernier jour. Je suis la pub de mon sapin. Non, mais il n'y a pas de zombie. Il doit être en dessous. Hello, Métalloman, comment ça va? C'est quoi cette histoire là-bas, Métalloman, là, de révolution? Non, c'est fin janvier. Bah, je vais pas le laisser. En vrai, c'est un vrai sapin. J'ai pas trouvé de synthétique. À terre. À terre, c'est rempli de ces putains d'épines, là. J'ai à peine touché, j'en ai plein. Je marche dessus, j'en mets partout dans la maison. C'est incroyable. J'espère que t'aimes notre belle barricade revendicative. J'aime bien, je vais tout raser, mais j'aime bien. Je vais tout raser, mais c'est bien. On va en faire... 2... Je vais en rajouter ici. Non, en vrai, c'est drôle. En vrai, c'est hyper drôle. Voilà. Donc là, on est bon. On va remettre de la terre. Et on va faire le dernier bleu. J'ai tout rasé, mais j'aime bien. Les pauvres. Eh, j'ai rien demandé, moi. J'ai rien demandé. On va remettre un sol, tout simplement. Non, il doit y avoir une grotte en dessous que j'avais pas encore entendue. Ouais, il y a des zombies quelque part. Je pense que je vais inonder une grotte ou... Bon, l'éclairer en fait, peut-être. C'est peut-être plus rapide. Elle serait où? J'ai pas de pelle, moi. Ici. On va dégager ça. En dessous? Ici? Non. Je sais pas où c'est, peu importe, c'est pas important. On va mettre ça là, ça là. Est-ce que j'ai des hoppers? J'en ai 5. Zut. 3. 5. J'en ai plus assez. Non, par contre là il est vraiment tout proche. Ça va m'énerver.
Salut Samuel, tu m'as fait sursauter. Merci pour le follow. Sois le bienvenu parmi nous. Waouh. Toi-même. Des hoppers. C'est drôle mes balèques de votre greffe. Non, y a pas de balèque. Je dis, il y a une grotte quelque part, ça m'énerve. Pourquoi je suis parti là, moi? Je m'en occuperai plus tard. C'est pas très très grave. Ça va trop fort dans mes oreilles, Meta. Ça aurait été mieux si t'étais connecté. Bah, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si j'étais pas connecté. Salut Potal. Ça, tu t'amuses, Beta? Je vais mettre un timer. Quoi, ça va? Ah. Je vais mettre un timer. J'en ai marre. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Meta, t'as eu un nouveau synthé, au fait. Comment ça se passe? T'es content? Je suis sorti du trou. C'est tout ce qui compte. Un piano. Oui, un piano, oui. Oui. Alors, on avait des petits rails. Un minecart avec un hopper. Je vais virer ces alertes. Je vais virer ces alertes. Définitivement. Vous me saoulez. Hop. On va mettre le petit bouton. Très bien. Une petite stone. Une petite redstone. Là-dedans. J'ai pas de cheers. Donc, j'ai pu en faire que. Que un. J'ai plus de. Non, j'ai plus de fer. C'est dans les coffres en bas, y a pas de problème. On va chercher un mouton. Et la teinture bleue. Tu verras, Metaloman, tu vas voir comment j'ai contourné votre problème. Hop, j'ai fait un trou sur le côté, mais vous êtes toujours là. Et vous faites bien, là, ça décore bien le truc, y a pas de problème, je vais vous laisser là. Bleu. C'est parti. J'aime bien le poulet, moi. La danse du poulet, t'aimes bien? Je suis dans le vieux TER, il n'y a ni table ni prise de courant, donc je vais réviser un peu mes partiels. Bon courage. On est mort pour ces têtes. J'ai vu sur la console que Tamir vous tuait tous. Donc tu vois, je sais qui a tué qui. Je sais que c'est Tamir qui a tué tout le monde. Mais je viens seulement de le comprendre pourquoi j'avais vu ça. Allez, viens. Viens, trou de balle. Quelqu'un a un name tag, je vais le nommer trou de balle, lui. Ça lui va bien. Ensuite, il doit m'en rester deux à faire, si je dis pas de bêtises. Deux ou trois maximum, dans tous les cas. Allez. Très bien. Dégage. Ok. Voilà. C'est parti. Est-ce que ça fonctionne bien? Là, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, c'est ok. Là, il y en a 9, c'est ok. Là, il y en a 2, c'est ok. Tout m'a l'air bon. Tamir, tu dis bah oui, comme si c'était normal. Bah oui.
Ouais, j'ai tué tout le monde, ouais. Bah oui. donc là, il m'en manque un et deux. Ça m'énerve de streamer en chuchotant, je suis vraiment désolé. Voilà. Très bien. J'ai pas encore vérifié la couleur que je devais mettre. Toi, tu dégages. T'inquiète, on t'entend. Super bien. Bah, je me doute. Je me doute, je sais bien, j'ai bien mis le son, mais... Mais ça frustre un peu quand même, tu vois. Hop. Donc, ici, on va mettre l'observeur. Qui regarde par là. Je vais encore galérer à mettre un observeur, c'est pas incroyable ça. Ok, ici le dispenser. Ils sont là. Très bien. Ici. Un petit bouton. Là-dedans. On va mettre ça. Qu'est-ce qui me manque? La redstone derrière. Ok. On va mettre ça. Et la redstone. Donc je vais vérifier juste la couleur. Il me faut un mouton magenta. Et pour faire une teinture magenta, il faut un lilas ou un allium. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Dans les coffres juste en dessous, j'ai plein de fleurs pour faire des teintures. Peony. Bah c'est pas ça. Allium. Voilà. Très bien. Je vais ranger ça, j'ai pas besoin de cobble, j'ai plus besoin de ça, au pire je le reprendrai après. Non c'est bien là. Bloc de fer. Qu'est-ce que j'ai fait du bloc de fer là? Je l'ai pas pris? Est-ce que j'ai encore des coffres? J'ai des coffres, donc on peut se faire des hoppers, y'a pas de problème. 40. J'aurai plus le coffre après. Bah j'en avais besoin maintenant. Est-ce que j'ai encore un mouton là-haut? Pour faire un mouton magenta. Il me semblait en avoir monté 3 plus un bébé que j'ai tué. S'il y a un mouton qui se promène là-haut, je vais le récupérer tout de suite. C'est pas un mouton ça. Il me semblait qu'il y avait un autre mouton pas loin. Non, peut-être pas en fait. Ou alors je les ai perdus, je les retrouverai plus tard, dans plusieurs jours. Ouais, je les retrouverai plus, probablement dans plusieurs jours. Oui, il est parti de l'autre côté. Je suis sûr d'avoir ramené au moins 3 moutons de tout à l'heure. Par là ? Bon, peut-être pas en fait. Peut-être pas, je vais en chercher un là-bas. C'est pas bien grave. Voilà. Allez. Coucou. Alors. Comment ça va RD? Toujours un problème pour les retombes pseudo, hein. Je suis désolé, m'en veux pas. Comment ça va depuis... J'ai streamé quand la dernière fois? Il y a une semaine? On est quel jour? Ouah, je suis perdu. Je suis perdu, c'est les vacances, dans mes jours je suis perdu. Allez, viens ici. Voilà. Non. Très bien. On va le tondre. Non, on va le teindre. En rose. Et c'est parti. Normalement, je mets une petite source de lumière. Normalement, on est bon. Voilà. Je vais vérifier les couleurs en dessous pour être vraiment sûr de moi. Ça fait pas mal de coffres. Il va falloir que je mette des item frames dessus avec la couleur. Donc blanc. Donc là, ça y est, on a dépassé le stack.
Gris, gris clair, gris foncé, noir, marron, magenta. Oulalalalala, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, en fait, il y a... C'est pas ça. Il y a magenta et rose. J'ai confondu magenta et rose. Rose, c'est tulipe. J'avais déjà... Merde, j'avais déjà magenta. C'est le rose que j'ai pas. C'est le premier qui est pas bon. On peut reteindre un mouton qui est déjà teint. Tulipe rose. Oui. Donc magenta, c'est bon. Celui que je viens de faire, c'est le bon, justement, en fait. C'est ça, le problème. Pink. Attendez, mais j'ai de la teinture rose et de la teinture magenta. Celle que je viens de mettre, c'est de la magenta. Pourquoi j'ai de la laine magenta? C'est lequel? Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6ème mouton. J'avais de la teinture rose et j'ai quand même de la laine magenta. Alors que j'avais pas de magenta avant. Appelle-moi Zoé. Ok. Je te garantis pas que j'y arrive parce que c'est toujours difficile de nommer des gens d'un autre nom que leur nom Twitch. Je vais attendre qu'il... Ouais, je casse tout. Ouais, j'ai tout cassé. Dès qu'il mange, je lui change sa couleur. Je change les blocs de laine de coffre. Et normalement... Salut Insecto, comment ça va? Excuse-moi, j'avais pas vu ton petit message de bonjour. Sois le bienvenu. J'ai un problème de laine de couleur... J'attends que ce mouton-là mange. J'ai pas mis des bonnes couleurs, là. Vous voyez pas les noms des subs, mais tant pis. Ah, attendez, voilà. Voilà. Là, il est de la bonne couleur. Donc, je peux remettre ça. Je peux remettre la redstone derrière. Et je vais mettre le bouton dessus, comme ça, je peux relancer la machine. Il est où? Ici. Avant-dernier jour, un sub égale votre nom écrit sur mes boules. Évidemment, les boules du sapin. Soyez pas déçus. Voilà. Je ferai une belle photo de toutes les boules dans quelques jours. Mouton de merde. Non, ça va. Il a changé de couleur. Voilà. Tout se passe bien. Ok, ça c'est ce que j'ai cassé. Très bien. Donc on a bien le magenta ici. Donc j'ai rangé la laine magenta avec. Hein. Comme ça, c'est fait. Hello, Magnificos Gracius. Sois le bienvenu sur ce stream. Sois le bienvenu, merci beaucoup pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Il me manque quelle couleur là du coup? Il me semble qu'il me manque un mouton, c'est le mouton violet. Et pour faire du violet... Je vais pas me tromper. De teinture violette, il faut de la rouge plus de la bleue. Et logiquement, j'ai totalement fini. Donc la bleue. La rouge, on peut le faire en redstone? Non, bien sûr que non. J'ai voulu essayer, hein. Excusez-moi, la fainéantise. Red tulip. Donc si je prends ça, que je fais ça. Allez, que je fais ça. Purple. Là, c'est pas magenta, c'est pas rose. J'avais pas encore eu, vous avez vu la notif en haut. C'est en survie, en solo. C'est en survie, mais sur un serveur multi. Là, tu vois le table, il y a quelques joueurs qui sont là. Metalman, Tamir, Tony, Kevor, Nocif. Ils sont tous sur le chat d'ailleurs. On est là. Ils sont tous sur le live d'ailleurs. Parce qu'ils veulent tous gratter des items que le serveur offre aux viewers qui sont joueurs du serveur. Bien évidemment, sinon, rien à foutre de moi. Coucou papa et maman. Pour le show. Attendez, mais votre truc là. Je suppose que... En plus, ça prend de la place. Ils font une manif parce qu'ils sont pas contents. Je vais les laisser là. Et j'ai profité d'avoir leur tête pour faire un mur... pour me foutre de leur gueule.
Qu'est-ce que je suis venu chercher déjà? Du bois. Attendez, j'ai vu un truc là. Ah! C'est là que j'avais rangé mes blocs de fer. C'est pas du tout le bon coffre, mais j'ai des blocs de fer. Quelques-uns. C'est ceux que j'avais achetés. Des coffres. Ouais, je passe par ça, la flemme. Faut pas m'en vouloir. Elle est venue chercher l'olivier. Olivier du bois? Quoi? J'ai rien compris. Tu es venu chercher l'olivier. Olivier du bois. J'ai pas la ref. Serveur, moi aussi je suis là, ça c'est Mini-Poto. Allez, c'est le dernier. C'est le dernier et après on a totalement fini, on pourra essayer d'entamer un petit design pour que ce soit beau. Tu cherches du bois, bah Olivier Dubois dans HP. Putain, mais j'ai pas la référence, hein. J'ai pas la référence HP, Harry Potter. J'ai compris que c'était Harry Potter, hein, par contre. Au début, je t'avoue que j'ai lu Hôpital Psychiatrique. Hein, au début, avant de penser à Harry Potter. Il y a un slime quelque part. Mais bon. Olivier Dubois, c'est tellement un personnage important que je l'ai oublié. Non, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, par contre. J'aime bien, je les ai tous vus, plusieurs fois. Mais c'est pas ce que je préfère. Il y a un slime, il doit être au-dessus. Olivier Dubois, c'est le capitaine de Quidditch de Gryffondor. Ah, oh, ça va. Faut pas m'en vouloir si j'ai pas retenu ce nom-là. D'ailleurs, j'ai récupéré quasiment tout l'Harry Potter en Blu-ray aujourd'hui. Je récupère souvent des Blu-ray, comme ça. Ok, ok. Ça fait une belle ferme. Tony, si t'es toujours là, c'est comme ça que tu l'avais faite, ta ferme, sur le serveur précédent? Parce que sur le serveur précédent, c'est toi qui l'avais faite. Je sais plus quelle tronche elle avait. Alors, voilà. Le minecart. J'en ai en trop, c'est pas grave, je vais pouvoir les ranger dans les coffres. Ok. Toi, tu dégages. Par contre, l'herbe ne se propage pas de ouf. Je pense que je vais aller... Est-ce que j'ai encore de l'herbe dans mes coffres? Est-ce que j'ai rangé l'herbe? Non. Non. Je vais peut-être aller en chercher. Ça se propage pas tellement et j'ai peur que ce soit long et tout ça. Je vais juste chercher un peu d'herbe. Je vais l'enlever là. Toucher de soi. Ça servait à rien de toute façon, j'ai pas fini ce projet là. C'était ce style, ok. Bah nickel alors. Je savais même pas qu'il y avait un mec qui s'appelait Olivier Dubois dans Harry Potter. Bon bah voilà. Allez, je vous laisse. Courage Potal. Bon courage à toi, des bisous. Voilà. On va mettre un peu d'herbe pour que ça pousse un poil plus vite. La luminosité qui va avec. Voilà, ici. Ici, là. Ok, j'ai oublié de mettre les torches. Voilà. Ouais. Ça devrait pousser un peu plus vite. Donc ici, observer. C'est le dernier que je dois mettre. Ici, un dispenser. Comme ça. Ensuite, ici, bloc de stone. Encore une fois, le bloc de stone n'est pas obligatoire, c'est juste que je voulais un bloc qui change un peu. J'ai un bouton. On va le mettre là tout de suite. La redstone. Voilà, on va la mettre ici. Est-ce que j'ai dû faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va mettre tout ça dedans. 1, 2, 3, 4. Faut appeler la police, il fait pousser de l'herbe. C'est très drôle. D'heure de train, plus puis une heure de métro. Bon courage. Je suis pas un fan hardcore d'Harry Potter. En même temps, faut pas être un fan hardcore pour... Enfin, je suis sûr que même les fans hardcore ne connaissent pas forcément ce personnage-là. J'ai oublié un truc.
J'ai la cage, je m'apprête à pouvoir fermer. Est-ce que j'oublie quelque chose? Il me semble pas. Dispenser, tout est là. J'ai profité d'avoir un peu de... de fer sur moi. Ah, Metaloman et Tamir ont gagné des items in-game. De l'émeraude pour Tamir. Deux émeraudes pour Tamir. Metaloman, je sais pas ce qu'il a. Dis-moi ce que t'as eu, Meta. Ok, j'ai rajouté un peu de... de cisaille là-dedans aussi. Faudrait que je le fasse pour tous. Et que je fasse des coffres au-dessus avec des hoppers pour que ça rentre dedans et que je sois tranquille définitivement. On est bon ? Je vous avais dit violet. Qu'est-ce que j'ai fait de ma teinture violette ? Est-ce que je l'ai rangée dans les coffres ? Sans faire attention. Purple. C'est ça. Mouton violet. Teinture violette. Elle est là. On m'a dit dans mon inventaire, mais c'était dans un coffre. Maman, je vis une petite fer. Alors, Zoé, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pas compris ce que tu racontais. Voilà, allez, viens ici. Merde, il a mangé. Est-ce qu'il me suit quand même s'il a mangé ? Ils vont te sortir les détails de sa vie. Ouais, oui, oui. C'est un peu con ce que j'ai dit. Allez, dernier mouton. Ça rend bien. Enfin, moi je trouve que ça rend bien. T'as eu ce que tu méritais, Meta, quoi ? Ben, du pain ou de la cobble, quoi ? J'ai pas compris, mais t'as eu du pain et de la cobble ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est du charbon, des diamants ou des émeraudes ? Tu peux pas avoir de la cobble. Mais viens ici, toi. T'as rien eu ? Ok, ouais, t'as une commande de toute façon. Slash drops. Slash drops pour récupérer tous les items que tu chopes via ce système de drop. Diamant. Gave to diamond. Ouais, voilà. Allez, tombe. Tombe. Alors lui, il va me saouler. Allez. Allez. Voilà. C'est parti. Je pense avoir totalement fini ma machine. Peu importe. Voilà. J'ai bien mis des sources de lumière partout. Pas ici. Pas là. On est bon. On est bon. J'ai mis orange, il vient d'être coupé à l'instant. Je pense que j'ai totalement fini ma machine. Pour les commences, faut linker son compte Twitch. Ouais, c'est ça. Genre là, si je fais streaming drops, les viewers de moi, ils cherchent, vous allez voir, il y a Kevor, Manayel, Metaloman, Nocif, Lara et Tamir. Voilà, purple, je vérifie les couleurs. Hein. Purple, magenta, bleu. Tout est ok. Tout est ok. Ces moutons-là, j'en ai plus besoin. Je regarde un petit peu. En fait, il va falloir que je commence la customisation du truc. De PaySafe Card. Je mets des items frame dessus. Je vais voir ce que j'ai en item frame. Je dois en avoir. Hein. Je dois avoir ce qu'il faut. Et ensuite, on fera une ferme à faire. Dans un futur proche. Ça va laguer, désolé. Toute la redstone là. Qu'est-ce que je devais aller chercher déjà ? Oh là là, mais c'est incroyable. Des item frame. Dans les trucs en bois. J'ai 20 item frame. C'est ok. Est-ce qu'il y a des trucs à ranger ? Oui.
J'ai plus besoin de fer, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de dirt, j'ai plus besoin de gravier. Slime ball, ça peut pas encore être trié, ça non plus. Ça non plus, la redstone peut être triée. Les planches peuvent être triées, ça peut être trié. Ça peut être trié. Voilà. Et je rangeais manuellement le reste. Tout n'est pas fini. Ici là, qu'est-ce que j'ai encore à ranger ? La stone. Ah, la stone, je pouvais la ranger automatiquement. Tout ce qui est en haut là, ça peut être trié tout seul. Slime ball. Ici. Voilà. Donc ça peut être trié, si j'ai pas de bêtises, au moins jusque là. Ça c'est bon. Voilà, donc ça par exemple, c'est que des erreurs que j'ai faites. ok. Ça va pas jusqu'au bout. Faudra que je termine hors live tout ça, parce que de toute façon je vais agrandir la salle des coffres. Vraiment beaucoup, de 2-3 doubles rangées comme ça. Donc ça fera 20 items x 2, donc 40 items supplémentaires de chaque côté, donc 120 items rangeables en plus par rapport à maintenant. Ce qui est pas négligeable. La Deep Slate, c'est là-bas. Un centime, ça te va? Est-ce qu'un centime va à Metaloman? Moi, je vais avoir la réponse. La Deep Slate, elle est censée se ranger toute seule. Je vois pas pourquoi elle était là-bas, par contre. Polish Deep Slate. Polish Blackstone. 2. Ah, ça négocie sévère, là. Ça négocie sévère, là. Stone Bouton. J'ai fait un coffre à Stone Bouton. Les barrières en chaîne, c'est là-bas. Et tous les pousses d'arbres. Birch, c'est pas là. C'est ici. Voilà. Là, j'ai rangé le maximum. On va pouvoir retourner là-bas. On va pouvoir... Qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Mettre les item frames et voir un petit peu le design de toute la salle. C'est parti. Et voir aussi où sont ces zombies là qu'on entend à côté de mes moutons. Ça m'énerve d'entendre des zombies. Autant là-bas, c'est normal. Ça arrive, c'est les pigmen qui arrivent là. Je suis sûr qu'il y en a plein qui passent. J'en retrouverai plein dans mon village. Allez, on va commencer ici. Je vais mettre où ? Ici, c'est bien. Allez, blanc et gris. Je dégage un peu ça, voilà. Gris. Gris foncé pour le coup. Gris, toujours. Ici, noir. Et là, marron. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû les mettre à même le sol. Les mettre un peu plus haut. Sinon je baisse le niveau du sol. J'ai baissé le niveau du sol, je pense, carrément. Pour être ici. Me faire un petit socle, tranquille. Rose. Et rouge. Ah, bah j'ai un stack entier. Hein. Ici et là, on a orange et jaune. C'est quand même ça, ça me permet de vérifier s'il y a la moindre erreur. Mais normalement, on est bon. Du vert. J'avais jamais tenu le vert dans ma main. Et ici, vert foncé. Très bien. Ici.
Le bleu clair et bleu cyan. Voilà. Comme ça, si j'ai besoin de trucs pour construire ou besoin de thunes, si quelqu'un a besoin de laine, je peux en vendre pas mal. Combien il y a de fermes à laine sur le serveur? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un a cette réponse? 2, en comptant la mienne. Et si violet. 3 avec la tienne. Ok. Ouais, donc je suis pas très original. J'ai compris. Ok, donc là, ici, ça, tout est rangé. Ce qu'il va falloir ranger aussi, c'est la laine que j'avais déjà. J'avais commencé à ranger dans les coffres. Voilà, comme ça, je peux les ranger et puis on n'en parle plus. White wool. Ok. La laine grise, c'est parti. J'en ai fait une quand j'étais chez Poto et une pour D-Gamer. Ok. Ouais, mais Poto est souvent là, D-Gamer un poil moins. Toujours là plus que moi de toute façon. Ok, j'ai toute la laine sur moi, on va aller là-bas et commencer à ranger. Marron, voilà. La blanche, très bien. J'ai noir, gris et gris. Donc ça c'est celle que j'avais déjà à la base. Au moins c'est bien rangé dans les coffres. On n'en parle plus. Noir. Avec une famille, vous aurez masque, stone ou cobble à vendre. Non. J'en ai pas tant que ça, désolé. Je dois avoir un stack maximum de chaque. Alors, ici. Là, il n'y a rien. Ici. Grey wool. Je retrouve de la laine. Mais c'est bien, ça commence à ranger les coffres un peu poubelles que j'avais fait. Ok, je vais ranger ça. On peut passer au spawn. Voir ce qui a été fait par Kevor. Et j'ai des coffres au spawn. Probablement avec pas mal de trucs à récupérer dedans. J'ai le réflexe de passer par là alors que le portail est là-bas maintenant. Donc là... Ah, attendez. Il a lâché un CD. Jamais eu de CD. Par contre, c'est vrai qu'il manque de luminosité ici. On va mettre ça là-bas, comme ça ils vont pas spawn. Là aussi, tout autour. Voilà. C'est parti. C'est quoi ce CD là? Musique disque. J'ai jamais utilisé les CD dans Minecraft. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas trop si c'est bien. De toute façon, c'est juste pour mettre de la musique avec des jukebox, c'est ça? Donc, Kevor a dit qu'il avait fait des barrières. Des murailles, si j'ai pas de bêtises. Yep, ok, nocif. Je vais aller jeter un coup d'œil à ça. Putain, c'est marrant, nocif, à chaque fois je sais que certaines émotes c'est toi. Genre celle-là. Je sais que c'est toi le serpent là. Oh. Barrière vers le prêtre et la zone administrative. Ok. Les nouveaux CD, c'est des pépites, elles sont incroyables. Je sais pas si c'est un nouveau CD, mais si tu le veux, je te le donne. Perdu, c'est pas toi. Ok, mais c'est toi qui mets tout le temps, non? Non, c'est Kevor. Pardon, c'est Kevor, je confonds. J'ai confondu avec Kevor, excuse-moi. C'est parti. Ouais, voilà, c'est Kevor. Alors, les murailles. On va prendre la route. Donc, il a dit vers le prêtre et la zone administrative. On va prendre la route normale du spawn.
Donc ça, tout ce qui est Nézorek, ça peut dégager. Hein. C'était des limitations que j'avais faites à l'arrache au début du serveur. Ici, quelque chose qui va faire plaisir. Petite mise à jour que j'ai adoré faire. C'est le bâtiment avec les points de tout le monde. Donc ça, c'est en gros, pour vous expliquer. Alors, c'était totalement réflexe, Kevin. J'ai vu quelque chose bouger, j'ai tapé. Vous voyez, genre là, au-dessus de mon épée, je suis chasseur et builder. Quand je tue des mobs, je gagne de la thune. Et quand je pose des blocs, je gagne... Enfin, pas de la thune. Bonsoir. C'est un sub, et c'est donc un nom écrit sur une boule. Bah attends, mais t'avais déjà fait un sub gift avec ton... T'as déjà un nom ? Kiro, t'as déjà une boule à ton nom ? T'as déjà une boule à ton nom, donc je te propose, Kiro. Non, t'avais fait un sub gift. T'avais gift... il y a 2 semaines. J'écris ton nom sur une étoile, cette fois. Kiro, c'est parti. J'ai passé là-dessus. Alors, je sais qu'on va pas bien avec la luminosité, on est en plein jour. J'ai pas mis mon ring light. Alors, où est-ce que je peux le mettre pour que ce soit visible ? Là. C'est pas visible. C'est pas visible du tout. Quelqu'un peut ban ce truc de merde là, s'il vous plaît ? Un modo ? Hop. Voilà. Ça veut pas tenir. Pardon, ça veut pas tenir. En fait, le sapin est tellement immense. On va mettre là. Ici, là. Voilà. Là, ici. Ça fait bien, là. Mais on le voit pas. T'es là. T'es là. On voit pas trop, mais avec la luminosité et tout, je ferai un truc mieux pour le prochain stream. Nous, on est la plèbe. Attendez. Je vais le faire. C'est parti, c'est ban. Donc bref, on gagne des points en prenant des métiers. Chasseur, builder, il y a plein de métiers. Zach Traber, exactement. T'es en solo. La réponse est devant toi. Et donc, quand on a un métier, on... à venir. Ok, donc là, il y a rien. Raté. Je suis où ? Je suis ici. Donc, enchanteur, personne n'a le métier. Mais si quelqu'un prend le métier... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le jeu. Excusez-moi. Ouais, il me semble que t'as rien oublié. Excusez-moi. Donc, enchanteur. Donc, quelqu'un a le métier... Si quelqu'un prend le métier enchanteur... J'arrête. Tiens. En signe de paix. En signe de paix. Il n'y a plus de signe de paix là. Il m'a tiré dessus. Tant pis pour lui. C'est quoi l'IP ? Je suis désolé, c'est un serveur privé. Bref, Kevin, je suis en train d'expliquer un truc. Voilà. Allez. Je suis désolé, du coup, C'est un serveur privé. Donc bref, en ayant un métier, on gagne des points. Genre là, je suis chasseur. Où est chasseur ? Hunter, j'ai mis Hunter. Bon bref, je suis 3e chasseur du serveur. Merci Kevar, merci Kevar. Chou, c'est le premier, et puis on gagne tous des points. D'ailleurs, est-ce qu'il y a Metaloman là ? Il n'y a pas de Metaloman ici. Metaloman, il est premier nulle part. Hein. Juste pour rigoler. Non. Ok. Bref, c'est pas ça qu'on voulait voir. Je voulais juste vous montrer un petit truc sur le serveur. Mon château. À bout le Discord. Point d'exclamation Discord, où t'as ça.
Voilà. C'est quoi ça? C'est un truc qui se construit? Je vais faire le tour. Je vais vous montrer un petit peu. Même ma meuf m'a dit chais derrière. Je passe pour une merde super. Parce que t'es pas premier. Oh tiens, c'est pas mal ça. Ok. Nickel. Et puis c'est cohérent avec mon château que j'ai commencé derrière là-bas. Avec le dragon de Kevor. Et donc on arrive. Ouais mais Kevor ça. C'est un peu chiant pour l'entrée de la banque, non? T'es pas allé un peu loin? Allez, je vais aller là-bas, c'est fait. Je sais pas de quoi il parle, mais d'accord, ça c'est sûrement pas pour moi. Ici, je voulais voir dans les vieux coffres que j'avais, si j'avais de la laine. J'ai récupéré ça. Ça, je pourrais les mettre dans mes coffres avec mes moutons. Ça aussi. Donc ça, c'est un château que j'avais commencé, que j'ai pas encore terminé, que je terminerai plus tard, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Ok, ok, là y'a rien, là y'a rien, là y'a rien. Voilà, c'est plus fluide. Il a dû modifier un truc. Merci pour ton sub en tout cas, Kiro. Maintenant, je peux aller sur le serveur. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est un serveur avec des gens de confiance. C'est un serveur avec les habitués, les gens qu'on connaît bien et tout ça. Donc c'est un truc qui prend du temps. Désolé de te dire ça comme ça, mais... Tiens, c'est quoi ça? Des grandes personnes. Exactement. Non, c'est chouette. C'est chouette ce que t'as fait. J'allais voir aussi le lieu de culte. Il y a une barrière. Il y a des barrières. Ok. Ok. Sympa. Donc là-bas, je sais pas ce qu'il y a rien, mais c'est tout le tour ici. C'est hyper chouette. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et puis avec le petit chemin... Les cracks ils peuvent, non. Non, non. C'est quoi ça? Un trou. Kevor aime bien laisser des trous un peu partout. T'as un livre explicatif dans le bâtiment que tu connais pas. Ok, donc ça va être là-bas. Salut Bewus, comment vas-tu? Ça va être ici. Je redécouvre le serveur là, je redécouvre le spawn. Et merci pour le follow. Alors, ici, bureau du paveur. Bonjour, bienvenue à Jurassic Park. Ok, désolé, mauvais univers, je disais bienvenue au bureau du paveur. Ici, vous pourrez venir pour prendre rendez-vous pour des QCH. Waouh, toi-même, d'urbanisme, demande de travaux à faire et où? À réaliser par vous, demande de décoration ou alors demander le plot pour vivre au spawn. Alors n'hésitez pas en page suivante à suivre exemple. Ok, ok, ok. Donc c'est bien ta maison où il y a des livres et tout. Ok. Chouette. Bureau. Petit bureau et tout. Je visite, hein, Kevor, je visite ta maison. Là, c'est les coffres, c'est la décoration. Ok. Sympa, l'orthographe sur le serveur. Ça, pour le coup. Ok, petit drapeau. Discord, tu as voulu le Discord, bah le voilà. C'est qui ça? Attends, qui a pris un coup là? J'ai pas tapé moi. Ok, donc ici il va falloir que je fasse la cour de mon château. Que je fasse quelque chose de beau. Que je finisse le château. Mais là il commençait bien là mon château, non? À part ce petit toit un peu pourri là-bas. Ok, donc ben voilà, je suis venu récupérer de la laine. On va retourner à la maison. Évidemment, je prends pas le chemin. Il manque un chemin au château. Oui, il manque un chemin, j'ai pas fini. Allez, on va quand même voir si Metaloman il est quelque part.
Ici. Le dernier du classement des mineurs. Voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien, non? T'as quoi comme métier métalloman en ce moment? Tu veux pas changer pour mettre ta tête? Mets-toi en chanteur. Mets-toi en chanteur, je suis sûr que tu vas passer au-dessus de moi, direct. En même temps, je bouge de métier toujours. Bah ouais, non, là, il y a que les métiers qu'on a actuellement. De toute façon. Donc, si tu quittes un métier et que quelqu'un le prend, t'es remplacé. Genre, moi, je suis chasseur et builder. Par exemple, en builder, je suis cinquième, mais si quelqu'un reprend le métier, je suis en tête sur trois métiers. Tony, fermier, oui. Non. T'es fermier. T'es nulle part ailleurs, Tony. Non, je rêve pas, hein. Non, Tony, t'es nulle part. À la porte, c'est quoi? Y a rien d'autre. Ici, là, y a le classement total. Donc, l'addition de tous ces métiers-là. Ou alors toi. Ou alors toi. Ou alors toi. Tiens, je te rends ton truc là. Et une petite fleur. C'était ma victime. Rends-moi ça. Eh, repasse ça. Repasse ça. Remets la fleur. Non mais oh. Tiens. Ok, ouais, je me casse. Moi, je sais pas ce qu'ils foutent, mais je me casse. Je vais rentrer chez moi. Allez, on va rentrer à la maison. Donc le chemin c'est par là. J'avais limite envie d'aller voir en même temps ta Tézélitre. J'avais limite envie de voir le monde quête, mais on va pas se spoiler. Il faut que j'installe des plugins pour qu'il soit bon. Mais si je vais là, normalement il y a rien. Non, il y a rien. Ok. Donc je vais rien faire. Le monde créatif. Je vous montre un petit peu le serveur. Voilà. Inventaire séparé, mais tout le monde peut venir. Construire des trucs ici. Ensuite, on a l'end. J'ai rien à réparer. Tous mes outils sont bons. C'est ok. Ici, il va y avoir le parc d'attractions et le monde PVP. Ça va être plutôt chouette. J'espère que tout le monde pourra s'amuser sur le serveur. J'en parle depuis longtemps. J'ai toujours pas fait. Il va falloir que je me bouge un petit peu. J'anticipe ce que vont dire les joueurs du serveur. C'est bien là que je dois aller ? Je vois que t'as toujours pas vu mon sapin de Noël. Je sais pas à qui il parle, mais moi j'ai rien vu, effectivement. Bon, il va falloir trouver un petit design pour... à toi avec Kinospan. Bah, je suis parti maintenant, désolé, je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Il va falloir que je... trouve donc, ouais, je vous disais, le design pour la ferme à moutons. Je sais pas à quoi ça va ressembler, il va falloir que je baisse d'un niveau pour que tous les coffres soient disponibles à bonne hauteur, pas à ras du sol. Parce que c'est plutôt chiant. Pas très pratique. Un kebab, si tu veux. Hop. Voilà. Il va falloir que je m'occupe aussi de cette partie-là. Pour faire un beau petit design. Je sais pas encore quoi faire. On va essayer de faire un truc un peu cool. J'avais déjà fait ça sur l'ancien serveur. Voilà. Donc, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. J'ai récupéré de la laine tout à l'heure. Non. Pas du tout. Ah, j'ai une tête de Kevor maintenant. J'ai une tête de Kevor. Qu'est-ce que je vais en faire, moi? On va faire peur aux vaches avec. Voilà.
Dégage. On va la mettre où? On va faire peur aux vaches. On va la poser sur, sur le blé. Voilà. Cette horreur. Elle le cache. Elle le cache. Voilà, très bien. Donc tout ça, ça dégage. Effectivement, on va faire un kebab. Comme le voulait Metaloman. Hop. Hop. Voilà. Je vais juste garder les cochons. Je les déplace. Je sais pas où je vais les mettre, mais ils vont pas rester là. Non. Ok. J'y suis allé un peu fort, y a pas de problème, c'est bon. Tout ça, il va falloir que je le range ailleurs. Ça va encore être un gros bordel. Dans tous mes coffres. Mais non, mais j'avais de la laine blanche, là. Ah oui, c'est le mouton que je viens de tuer. Ok. Est-ce que ça fonctionne bien par là-bas? Les derniers que j'ai fait, 6. C'est pas beaucoup, 6. 20, 24, 60, 51, 57, beaucoup, 64, 16, 16, oui c'est normal, 16, les le rose j'ai dû changer. Noir, gris, ok. Comment on va commencer? Donc il faut que ce soit à cette hauteur là, donc on va casser tout le sol. On va voir dans screenshot. Excusez-moi, j'ai jeté un coup d'œil en vitesse. Screenshot. Les gilets jaunes en pleine contestation de la non-présence de Vaiki. Vous avez manifesté parce que j'étais pas là. Donc je pouvais pas le savoir déjà, parce que j'étais pas là. Mais je suis là pour le constater, du coup. Voilà, donc là on réduit d'un niveau, comme ça la laine sera vraiment à notre niveau. Ce sera un tout petit peu mieux. Voilà, petite torche au cas où, en attendant. Et on va dégager ce gros truc vert là-bas. Aïe, qui a réussi à me mettre un coup en passant. Ça, je vais en avoir tout le temps chez moi. Je pense que Metaloman et Arthas Rivet, c'est pareil, ils en ont beaucoup chez eux. Les gens qui vivent dans des grands espaces. Peut-être que Lazare aussi, il en a beaucoup. Parce qu'il vit, il a fait un grand trou. Et j'en ai vu un autre derrière. Ah. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. J'ai avoir plein de slime à vendre aux autres joueurs. Voilà. Et voilà. Et il y en a encore un là-bas derrière. Un tout petit. Voilà. On est tranquille. Bon, revenons à cette histoire de design. Est-ce qu'on utilise aussi le bois rouge pour faire des colonnes? Est-ce qu'on condamne derrière? Est-ce qu'on cache les hoppers, où on met un truc derrière pour que les hoppers soient bien visibles? Je mettrais bien bien visible, genre du bois écorcé comme là-bas. Je pense que ce serait beau. On va aller couper du bois. Je garde cette idée, je vais couper du bois. Il nous faut un nouveau bûcheron sur le serveur. Si un joueur n'a pas de métier, je pense à Metaloman ou Nocif actuellement, et qui veut faire bûcheron, donc vendre du bois régulièrement, et des pousses de bois aussi. L'ancien bûcheron a été kick? Non. Non. Mais il vend plus de bois, donc on peut en avoir un deuxième.
Mais j'ai toujours pas compris ce qui se passait avec lui. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est la nuit. Il y a mon dauphin qui est toujours là, en tout cas. Merci pour l'aide. Il parle mal. Un petit peu, ouais. On va couper là-bas. Allez. Et on repousse. On replante au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a ici, là ? Ouais, c'est ça. C'est quoi Anubis ? Ah, vous vous entretuez. Ils s'entretuent. On va pas s'en occuper. On ne va pas s'en occuper. Cela ne nous regarde pas. Donc là, il me faut pas mal de bois pour mettre derrière tous les hoppers que j'ai mis tout à l'heure. En fait, il faut que je coupe assez de... Est-ce que le... Je réfléchis en même temps, excusez-moi. Je coupe mes mots, mais il faut que je regarde un truc. Si je fais ça et ça. Genre, question existentielle. Et que je les écorce, est-ce que c'est le même ? Bah non, bien sûr que non. Je voulais quand même essayer. Hein. Ça peut paraître con, mais je voulais essayer d'être sûr de moi. Alors, on va replanter... J'en ai 11 à replanter, très bien. 12. Allez, c'est parti. J'en ai pas mal à mettre. Ok, j'ai un gros arbre à couper là-bas. Je compte sur vous pour passer la nuit, au fait. Comme moi, je vis dans mes grottes, j'ai jamais de lit, je passe jamais la nuit, je vais me faire harceler par les fantômes. S'il vous plaît. Chaque fois que je sors, je suis attaqué par les fantômes, de toute façon. J'ai remonté un peu. Alors, il me semble qu'il restait un ou deux... Là-bas, c'est pas le même arbre. C'est bon. A plus, Tamir. Ok, là c'est bon, je récupère tout. Je peux replanter 5 arbres. Bon, je suis chasseur et builder. Déjà, j'ai changé de métier. Jobs Bros. Je vais pas être... Builder, je vais être bûcheron. J'aurais pu mettre avant. Comme ça, je gagne de la thune en coupant des arbres. Un peu plus logique. Merci. Merci pour la personne qui a... Merci à la personne qui a dormi. C'est quoi ça ? Une entrée de grotte que je n'avais jamais vue. Il y a encore des arbres. Dites-moi pas que j'ai même pas un stack de bois quand même. Bah visiblement si, j'ai qu'un stack de bois, donc je suis loin d'en avoir assez. Je vais récupérer les pommes, je récupère un peu tout. Je vais passer 5 minutes à couper du bois. Faut que ça pousse. Je me suis coincé là, dans des feuilles. J'ai bougé, je vais essayer de trouver un endroit où il y a un peu plus d'arbres concentrés. Est-ce que cet endroit existe ? Ici. Bof bof. Voilà. Ici. Ce sera très bien. Ouais, on va couper tous les arbres qui sont là. Ça ira beaucoup plus vite. J'ai un mur de... Je sais pas combien de blocs. Du coup, 16 x 2, 32 sur 10 de haut. Va falloir pas mal de bois.
On va déforester pas mal là. Ok. Est-ce qu'il se casse? Ouais, c'est bon. Je vérifie quand même que les arbres disparaissent. Hein. J'aime pas laisser des arbres à moitié pétés qui restent en sustentation. Il me faut combien de stacks là? Je vais pas pouvoir en prendre beaucoup. Ça dégage, ça dégage. Ça dégage. J'ai 3 stacks dans 2 stacks. Ouais, ok, on va continuer un petit peu. Allez, on arrête de perdre du temps, on y va à fond. J'ai monté mon métier de bûcheron, de toute façon, tant qu'à faire, donc c'est pas perdu. Qui va quitter le jeu? Et Kiro, t'es encore là au fait? T'es venu, t'as sub? Tu m'as même pas dit comment t'allais. En fait, c'est chiant parce que c'est tout petit. On a l'impression de couper. Enfin, on coupe beaucoup d'arbres, mais au final, pour rien du tout, pour pas grand chose. J'ai replanté le bois. Ça repousse entre temps. Toujours ça de pris. Et si j'ai besoin de bois assez rapidement, je saurais où venir en trouver. Voilà. Là-bas, il y en a encore quelques-uns. J'ai entendu des poules. On va les buter. Qu'est-ce qui se passe? Moi. Ah, ok. C'est pas pour moi. Je comprenais pas ce que tu voulais dire, Lara. Je suis pas sûr qu'ils soient encore là, Potal. J'ai combien là? On va virer ça. On continue, hein? Je veux vraiment être sûr d'avoir assez de bois pour pas faire d'aller-retour inutilement. Ok, j'enlève tout ça pour être sûr. C'est parti. Ah, ces grands arbres là, c'est chiant. Là. Pardon. C'est ok. C'est ok. Il me reste quoi? Est-ce que j'ai encore des pousses de bois? Oui. Je vais planter ça tout de suite. Et ça là. On continue. Je vais essayer de récupérer un peu tout ce qui tombe. Les bâtons, les pousses. Les pommes. Toujours bien d'avoir à manger de temps en temps. Salut Azarel, comment ça va? Comment ça va depuis mercredi passé? Et Chloé qui vient de Raid. Oh, attendez, avec 35 spectateurs, mais comment ça va? Merci Chloé, merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est bien passé. Soyez tous, toutes et tous les bienvenus ici. Salut, salut. Bonjour tout le monde. Soyez tous les bienvenus. Là, c'est un stream où je coupe du bois. Bonjour, alors, comment prononcer les pseudos? Nours, un truc comme ça? Le ver de terre de mon chat. Quoi? C'est quoi cette communauté là? C'est quoi cette communauté? Qu'est-ce que tu nous ramènes, Chloé? Et Clémide, c'est ça? Est-ce que j'ai bien prononcé tous les pseudos? Soyez tous les bienvenus. C'est pas ce que je vais faire. J'ai ramassé mes déchets à terre. Et puis on continue la construction
de ma prison à moutons. J'ai fait une prison à moutons. Et là, on va essayer de la customiser un petit peu, faire un petit design autour pour que ce soit un minimum agréable pour les moutons d'être enfermés à vie là-dedans. Voilà. Vous avez mon projet. Là, j'ai du bois ici. Ah non, c'était ma poubelle. Oui, parce que je récupère mes déchets quelque part, mais je les rejette ailleurs. Ah, mes oreilles, c'est qui ça ? Ivar. Mes oreilles. Je peux pas parler, j'entends plus rien. J'entends plus rien. Comment va ? J'ai une commu en or, ne juge pas. Mais bien sûr que t'as une commu en or. Je n'en doute pas une seule seconde. Merci pour ton raid, Chloé. J'espère que ton stream s'est bien passé. J'espère que tout va bien de ton côté. Hop. Voilà. J'ai combien là ? Ça. Ça. Allez, encore un stack. Encore un stack et on rentre à la maison. Ça devrait aller vite. C'est la fête pour le raid. Merci, Kevor. En plus, les enfants dorment, donc je parle très lentement, très doucement. J'essaie de pas faire de bruit. Je peux plus parler quand il y a ces musiques, j'entends plus rien. Voilà, merci, merci, merci pour mes oreilles. Je vais être sourd pendant 2-3 jours là avec ça. Je fais des concerts très régulièrement et c'est cette alerte musique qui va me rendre sourd. Oublier du bois derrière moi, ce serait totalement con. Oui, c'est Nounours. Ok, Nounours. Sois le bienvenu, Nounours. J'espère que tu vas bien. Ah. Satisfactory. Jamais essayé. J'entends plus rien. On va se calmer là, c'est bon. Satisfactory, j'avoue que j'ai jamais essayé. Mais... On va se calmer Nocif et compagnie là. Allez, on rentre à la maison. On rentre à la maison là, j'en ai marre. J'habite où déjà ? Par là-bas ? Je sais plus où j'habite. Vous allez voir que je vais me perdre. Normalement, il est ici. Voilà. Très bien. C'est le dernier, t'inquiète. Ça marche. Avant-dernier jour, un sub égale votre pseudo sur mes boules. Il y a toujours cette possibilité-là. Je l'ai très mal éclairé, mais un sub égale votre pseudo sur les boules de sapin. Je ferai des belles photos. Oula. J'ai pété ma caméra. On voit vraiment rien du tout. Mais c'est pas grave. Je ferai des belles photos. Ce sera en story. Pour changer un peu de chicken dance, c'était le dernier. Oui, ça change un peu, ça c'est sûr. Alors, voilà où on en était. Voilà où on en était. Nous, on joue pas à Satisfactory, mais on fait des... aussi des constructions pour enfermer des moutons. D'ailleurs, il manque un bloc là-bas. Je vais m'en occuper tout de suite. Est-ce que j'ai mis... J'ai plus de verre. Non, je l'ai rangé. Bon, c'est pas grave. Des gros bisous, Kevor. Des gros bisous. Merci d'être passé. Non, je vais pas faire ça. Donc, c'est ici. Ah, j'ai un slime encore. Ils vont m'embêter... toute ma vie. Toute mon aventure. Voilà. Allez. J'ai bloqué ce côté-là, de toute façon. Donc, j'ai décidé, pour vous expliquer un petit peu, de bloquer derrière, mais de mettre un bloc, donc,
ça. Mais pas comme ça. En mode écorcé. Vous allez voir. Pour que ce soit un peu plus clair. C'est pas le bon côté. Voilà. Vous allez comprendre, je pense. Peut-être que ça rendra pas bien. Mais dans ma tête... Donc là, ici, d'un côté, ça fait ça. Donc, encore, c'est pas trop trop dégueu. Par contre, on peut faire ça. Ce que je voulais, voilà, c'était un mur assez clair. Pour contraster avec les hoppers qu'il y a devant. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que j'oublie des blocs. Et qu'il va falloir que je taille un petit peu dans la pierre ici. Mais ça fait un mur. Ça fait un mur, c'est ce que je voulais. Hop. On va mettre ça. J'en avais déjà écorcé un en étant dehors. Autant le poser tout de suite. Il y a des endroits où il n'y a rien du tout. Comme là. Ça va, Kiro, ça va. Tout va bien. 2023, ça devrait être une super année pour moi sur Twitch. Avec l'ouverture de mon plateau télé, de local de stream. Avec des potes streamers, donc ça va être trop trop bien. On attend un mail. Un mail pour la validation du lieu. Qu'on a déjà eu à l'oral. On attend la visite. Mais début 2023, premier trimestre, on a un local de streaming à côté de Lille. Avec un plateau télé, tout le matos, tout équipé. Un genre de lot, entre guillemets. Mais associatif. De quel côté ? À Fâche-Lille. Une lot, exactement. Ça va plus vite que ce que je pense. Je parle plus quand il y a ça parce que... Non, aux arcades, non, les arcades c'est les arcades, nous on monte notre propre truc. Notre propre lieu à nous. C'est pas affilié à un autre lieu, ce sera le local de stream, Meetup TV. Après, faut s'amuser à écorcer tout ça. On va bien s'amuser. D'ailleurs, quand on visite, on fait une vidéo, un vlog. Je mets ma chaîne YouTube. Dès qu'on a visité, il y a une vidéo qui sort sur cette chaîne. Ou dès qu'on a les clés, peu importe. Mais attendez, je changeais de métier. Je suis plus bûcheron, je suis builder. Quand je gagne de la thune en posant des blocs. Voilà. J'avais oublié de le faire. Et les derniers, et ensuite il faut écorcer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça dit devant ? En vrai, j'aime bien. Hein. Enfin, là, c'est pas beau, mais j'aime bien. Voilà, ce sera mieux comme ça. Je vais prendre des échafaudages hein, de toute façon, je pense, parce que là, ça va trop haut. Me too. C'était obligé qu'on fasse la blague au moins une fois. Non, Meetup, c'est un rendez-vous. C'est une rencontre, c'est un lieu d'échange et de partage. On a déjà une chaîne Twitch d'ouverte. Je sais même pas si je peux vous la partager là. Non. Allez, j'espère que ça va rendre bien. Je sais pas si je mettrai un autre bois entre deux, histoire de créer des petits motifs. Ça m'étonnerait que je le fasse. Je suis pas allé jusqu'en haut ?
On ira avec des échafaudages. Pas se prendre trop la tête. Déjà voir ce que ça dit, peut-être que ce sera vraiment moche. On verra bien, attention. Alors je finis tout ça, comme ça j'aurai le visuel complet. Je sais qu'il y a du bois qui sera pas écorcé, que je devrais faire de l'autre côté. Parce qu'il y en a qui sont cachés par la pierre. Meetup. Un lieu où on rencontre des mythes. Allez. Allez, allez. Qui peut faire mieux que ça? Deux ans de travail réduit à des blagues de ce niveau-là. Voilà. Meetup, la contrepartie de Team Up. Tu pourrais jouer là-dessus. Il y a un truc. Je proposerai ça plutôt... à l'autre association avec qui on va partager le local, qui est une association d'e-sport. Parce que ça va faire Gaming House en même temps. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Est-ce que c'est beau? Voilà, donc il en manque. Là-bas, il faudrait que j'en rajoute. Mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, un petit mur. Voilà. Ne pas cacher les hoppers. Limite, éventuellement au milieu. Et pourquoi pas mettre du bois. Genre du vrai bois entre deux. Non, l'écorcer ? Pas sûr. Pas sûr de ce que je suis en train de faire. Merci pour le follow, le ver de terre de mon chat. Merci beaucoup. E-sport sur quel jeu ? C'est pas... j'en ai aucune idée. C'est pas mon domaine, l'e-sport. C'est pas moi qui vais travailler dessus, c'est l'autre association. Merci beaucoup, le ver de terre. Solitaire et Mahjong. À mon avis, aucun rapport. Non, ça c'est trop par contre. On va laisser un trou derrière. Perso imbattable à Pac-Man, je speedrun. Je regarde s'il n'y a rien qui tombe dans les hoppers. Non. Allez, échafaudage. Les vers de mes chats sont mes vers. Ça dépend ce que tu fais avec ton chat. Ça dépend ce que tu fais avec tes chats. D'ailleurs, le mien, il était là. Elle dort sur la housse de guitare. Et c'est dormir. Sinon elle est chiante. Hop. Je peux les avoir ici. Là, là. Ça vaut le coup d'avoir des échafaudages si c'est pour faire ça. Ok. Bon, voilà. Donc ça c'est un petit mur pour l'instant. Je vais cacher les minecarts. Mais avec quoi? Là, on voit que ça coupe là-bas. Est-ce que le violet, il coupe bien? Tout à l'heure, j'en avais que 6. Ouais, c'est bon. Ça marche bien. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Le rose, il doit y en avoir peu, mais c'est normal. Voilà. Ok. On va prendre des échafaudages et on va aller jusqu'en haut. On va passer par là. Je les vermifuge. Bah, normal. Normal, quand même. Non. Ça. Voilà. Ah, ça va être 100% bois. Hein. Donc là, il faut pas que j'oublie un côté. Là aussi. Faut que je cache la terre qu'il y a au-dessus. Ouais.
c'est normal. Donc je casse des trucs. Va falloir que je cache la terre. Donc là, ça c'est ok. Attendez, je vais me débarrasser de lui. J'ai toujours mon métier de chasseur, donc j'ai gagné de la thune en le tuant. Et je pense qu'il était pas tout seul. Si ? Si. Lara a gagné des drops. Lara a gagné plein de trucs. Je sais pas quoi, mais elle a gagné des trucs. On va passer par là. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Je vais enlever ça. On va mettre ça et... ça. Ça, ça twerk. Ça dégage. Il va falloir que je revérifie les coffres, hein, parce que vu que je casse des trucs à côté des hoppers, ça peut tomber dedans et rester dans les coffres. Là-bas, j'ai fait la moitié du boulot. On va s'occuper de ce côté-là. Voilà. 3. Voilà. Est-ce que j'ai un petit coin là ? Ouais, nickel. Voilà, je veux que le mur soit vraiment uniforme. Même si ça se voit pas trop, moi je le saurai. Là c'est ok, on va enlever ce bloc là. Donc là ça tombe dans les hoppers. Ça c'est sûr. Ça ici. Ah peut-être pas, il y a peut-être rien qui est tombé dans les hoppers. C'est plus propre que ce que je pensais. Ouais j'aime bien ce mur. J'aime bien, un truc un peu clair, un peu bois. J'aurais pu utiliser de la laine pour avoir une cohérence avec le build. Ça par contre c'est pas beau. Donc 1, 2. On va enlever ça ici, là-bas. Aussi. Là tout est ok, tout est ok. Il y a juste ce petit truc là à casser. J'ai plus de bois. On va prendre ça. Voilà. Là c'est bon. Tout ça, ça dégage. Comment va Maisie ? Voilà, très bien. Je me concentre un peu, hein. Désolé. Je vais pas rater les blocs, mettre à côté, et en fait je vais pas taper ça parce que ça peut se péter ou tomber, ou se décaler. Ce serait assez casse-pied à remettre. Voilà. On est bon, on est bon. Allez, je redescends. Et on va de l'autre côté. On avance. Faut que je fasse tout. On va faire ici, là. Tout vérifier. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, je vous avoue. Je sais. Mais en même temps, faut le faire. Je vais changer de musique, excusez-moi, une petite minute. Voilà. En plus, comme je chuchote, presque... Hop, un, il en faut un là. On n'entend pas la musique. De toute façon, vaut mieux qu'elle soit en fond, c'est histoire d'habiller un petit peu, c'est pas... Je la mets jamais trop forte. Faiblement, bon, c'est déjà ça, c'est bien. Quand je mets les VOD sur YouTube après, je me prends des copyrights, donc autant de pas trop l'entendre. Alors qu'est-ce qui manque ?
Là-bas. Ici, là. J'ai presque fini mon mur. J'ai dû mettre 100% pour entendre. Ouais, à ce point-là. Ça doit être un peu mieux. Vous devez entendre un poil plus le son du jeu aussi. Les moutons, là, qui bêlent depuis tout à l'heure. Nickel. Bah, merci. Mettre ici. J'ai pété ça pour avoir le mur entier. 2, 3. Bam. Et on mange un coup. Et puis je vais tout vérifier. Vérifier les hoppers les plus proches aussi. Voilà, deep slate, forcément. Ça tombe dedans. Ah, voilà. C'était sûr que des trucs allaient tomber dedans. Là, tout est propre. Là, tout est propre. Par contre, j'ai fait toute la rangée et j'ai arrêté ici. Là, c'est bon, là, c'est bon. Il faut juste que je fasse ici, là. C'est parti. Donc, pour faire pareil, on dégage ça, ça, on met du bois. Bon, je suis pas obligé de zoomer, en fait, je pouvais avancer. Puis tout à l'heure, je zoome bêtement alors que je pouvais simplement avancer. 2, 3, tac, tac. Il manque rien. Je peux vérifier à ce niveau-là. Non, là, c'est hyper cool. On va avancer là. Donc ça, ça dégage. On va enlever ça aussi. Pour que ce soit un peu plus cohérent. Le dernier bloc que j'enlève, c'est celui-là. Voilà. Pour prendre une photo en zoom, tu avances ton téléphone aussi. Toujours. Non, mais c'est parce que je zoomais comme ça, tu vois. Alors que j'avais juste à avancer pour ne pas zoomer. Ça va. Ça va. On peut faire les deux. Je sais pas ce qui vient de s'ouvrir là, mais... Dans cette musique, je sais qu'elle est pourrie. Ok. Allez, je vais virer le dessous. Et je pense que je vais simplement mettre du bois. Je sais pas, je m'en fous un peu. Hello Craftator, le vrai, quand vas-tu? Sois le bienvenu. Là, la musique, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus forte que tout à l'heure. Ça va, ça va. J'essaye de faire un petit design pour mes moutons, ma ferme à laine. Je sais pas quoi faire, donc j'improvise depuis tout à l'heure. On essaie des trucs. J'aime bien le bois, donc... Je vais faire ça et puis on verra bien plus tard. Quand j'aurai d'autres idées pour les autres builds... Ouais. Parce que je vis totalement dans des grottes. Et je sais pas du tout les designs des maisons qu'il va y avoir, les blocs utilisés. Tu es un art. Cette blague. On n'arrête pas de me la faire. On n'arrête pas de me faire la blague. Bon, ok. Ok, ok. Bon, il y a de la dirt là-bas. J'ai pas trop trop le choix. En vrai, si, je pourrais l'enlever. Ah, désolé. Bon, je vais me calmer là pour ça. Je ferai un peu plus tard. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai fini toutes les couleurs. Il manque juste un bloc là-haut. Ici, là, pour bloquer le mouton et que les mobs ne tombent pas dedans. Donc, les prochaines étapes. La ferme à faire. Customiser le portail du Nether, qui est un gros carré.
Il a surtout la trique. Haha. Nous sommes les nains sous la montagne. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ramener des poissons. Refaire le lot parce que j'ai galéré. Dégager la manifestation, là, des joueurs du serveur, des gilets jaunes. Hein ? Ils se sont mis ici. Ça va dégager, ça va dégager. Finir le design de certaines maisons. Essayer de les améliorer. Est-ce que j'ai de la laine ici d'ailleurs ? Stone, stone. J'ai pas de laine à ranger. Pourquoi il y a une manif ? Je suis le gérant du serveur, le roi du serveur. Mais je ne joue pas beaucoup, donc ils viennent se plaindre. En vrai, il n'y a rien de très clair. La liberté, pas de futur, pareil. Liberté pour le peuple alors qu'ils sont tous libres justement puisque je suis jamais là pour vérifier. On en a gros. Je suis Charlie. Manif pour des réponses plus vite. C'est vrai que je réponds pas très vite au DM. En même temps, là je suis en vacances, donc dans tous les cas, du pain. Ils ont tout ce qu'il faut. Revendication. Donc une seule revendication. Hein. On a faim. Faut pas nous prendre pour des ouins. Hein. Pas content, pas content, pas content. Barricade. Voilà, donc on sait pas trop ce qu'ils veulent. Mais ils ont des revendications. Enfin, ils ont une revendication. Voilà. Si tu dégages, on reviendra. On est français, quoi. Ouais, vous êtes français, ouais. Ils sont français, c'est normal. C'est normal qu'il y ait autant de gens qui râlent. Voilà. On sait pas pourquoi. Mais oui, c'est français. C'est typiquement français. Là, il n'y a pas de problème. Et donc... L'objectif c'est de construire des maisons partout ici, partout partout, la ferme à faire. Là ici je me suis fait une petite petit espace de blé. Tu es le roi des grottes, de la grotte et du serveur. Et du serveur. Donc la grotte continue par là-bas. Il y a des grandes pièces là-bas, là-bas, là-bas au fond, de l'autre côté. Il y a un étage, donc ça va être très très grand. Voilà, voilà, voilà. Donc prochaine étape, prochain stream, la ferme à faire. J'en ai jamais fait. Donc ça va être plutôt sympa. Mort au roi, mais arrêtez. J'ai rien fait. Au contraire. Je me plains jamais, je dis rien, mais je suis tranquille dans mon coin, dans ma petite grotte. Mais voilà, donc je suis content. Niveau laine, ça va. 23. Ça marche bien. Je pourrais rejoindre le serveur. Je suis désolé l'ami, le serveur est privé. Donc il y a des gens qui peuvent se rajouter, mais c'est sur invitation de la part de streamers ou quoi, parce qu'il y a des ajouts pour le stream sur le serveur. Genre les viewers, les joueurs du serveur qui regardent les streamers du serveur gagnent des items in-game. Ou alors il faut que je te connaisse un peu mieux. Voilà. Il y avait un arbre ici avant. Bon écoutez, c'est la fin pour moi là, je suis assez content de ce que j'ai fait. Des blocs de charbon. J'ai devoir aller m'occuper des enfants qui se réveillent là en ce moment même. Si vous êtes toujours intéressé, un sub égale votre nom écrit sur mes boules. Je suis désolé, on voit pas bien, je rajouterai une lumière pour que vous voyez bien la prochaine fois. Pour être sûr que ce soit pas un margoulin. Exactement, c'est exactement ça. Je vous mets mes liens, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à suivre la chaîne, si c'est pas fait, n'hésitez pas à follow. Je vous mets également mon compte Instagram et mon TikTok. Voilà. Je vais te tatouer sur tes boules. Bah tu sais ce qu'il faut faire, C'est là. Merci pour le follow, Craftator. Il va y avoir pas mal de projets, donc j'espère que dans le futur, ce que je vais faire, ça te plaira. N'hésite pas à repasser. Mais ouais, un sub égale votre nom sur mes boules. Moi je le suis, oui. Voilà. Je ferai un dernier stream demain et après, il n'y a plus de sapin. On fera une belle photo de toutes les boules du sapin. Allez, je vous ai remis dans le sapin. Là, il y a Zach, il y a Kiro, Minipoto, Ashnazar, Azarel... De Kiro, puisqu'il est là aussi, Kiro. Ici, là. Voilà, ici en dessous. Tu as posté tes boules sur Insta? Ouais, je sais, c'est risqué, c'est risqué. Je sais que c'est risqué, mais ça vaut le coup.
Double sub, exactement, double sub. Là, pour le coup, c'est vrai. Allez, je vais vous quitter comme ça. Je vais vous quitter comme ça, je vous fais des gros bisous. Bon vendredi. C'est vrai qu'on est déjà vendredi ? Non. What the fuck ? Ok. Choisis. Merci pour ton sub. Choisis une boule ou un sapin. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est toi qui choisis. La boule, ok. Bon, j'écris que Maisie parce que ça va pas se voir sinon. Ça va tourner autour. J'écris en grand. C'est parti. Un gland. Y'a pas de ça. Y'a pas de ça. Je suis pas sûr que ça va bien se voir, mais... Ça se passe ? Non. Je regarde où je peux la mettre parce que on voit pas tout. Je lui ai dit, j'ai pas mis de lumière dessus aujourd'hui. Là. Allez, en gros plan. C'est un fail. Je vais essayer de faire mieux que ça, pardon. Sur Ashnazar. Elle tourne toute seule. Elle revient. On voit pas avec cette lumière là. Le problème c'est que si je baisse la lumière, on verra moins. Je lui ai dit, demain je mettrai une meilleure lumière. Je mettrai une meilleure lumière. Je ferai une belle photo. Merci pour ton sub. Merci beaucoup pour le sub. Allez, sur ce, je vais vous laisser. J'ai pas envie d'un sub alors que je coupe le stream. Donc, on est bon ? On est bon ? Personne n'a de trucs à rajouter ? C'est déjà arrivé. Allez, j'ai coupé le stream comme ça. J'ai coupé le stream comme ça, je vous laisse. Je vais vite m'occuper des enfants, là, il est un peu tard. Il devait se réveiller à 16h. Des bisous, bon week-end à tous. Au pire, à demain 14, 16h aussi. Voilà. Red DD. Il en stream. Allez, c'est parti, je vais vous raid Devild. Ça me va. Allez, des bisous. Passez le bonjour à Devild de ma part. Et je vous dis à demain après. À demain après. Salut. Des bisous.